Je vais regarder sur le GPS. C'est lui qui conduit, c'est lui qui conduit. On passe sur l'autoroute au-dessus du pays. Ouais, c'est lui qui conduit. Non, juste que je veux pas avoir 10 millions de voitures, quoi. Oui, non, mais je sais. Mais pour le coup, là, c'est lui qui conduit, il peut pas répondre. Il va tourner Venise, du coup. Je vais regarder GPS pour checker si tout va bien. Continue les 10-20, s'il vous plaît. Il me faut m'envoyer une position GPS. À l'entrée du Bénise. Pour le ponton. On va le perdre de visu là, on l'a perdu. Faites un appel. Mets la pause. Et modèle de véhicule s'il te plaît. Ah. Sultan grise. Avec un aileron occupé deux fois, ils ont 55 coups de temps. Position connue Bénise. Mais comment ça, il y avait autant d'unités, il y a aucune info, il y a aucune voiture qui a collé. Ah, ils sont petits tueurs. Sultan grise. Je parle dans le sud. Hein. Ah, c'est quoi comme véhicule du coup? Sultan Gris Cap. Ne vous regroupez pas, Bénise, à mon avis, ils ont dû partir beaucoup plus loin, ils sont pas dans les parages. Bah, du coup, de 26 centrales pour éviter tout le radio, je veux des unités du coup qui vont à l'aéroport, qui vont dock pour trianguler. Ils vont sortir par une sortie, trouvez-moi là. Donc, il faut au moins 3 unités dans le sud, au niveau derrière le Bénise. 10-4 Adam Serodon. Va ponton. Ponton. De Foraine. Comment ça, Yongfu me dit, venez, j'ai Clétus. Hein? On a un agent qui se fait PO, puis après. Ouais, c'est pas bon. Qui est Clétus? Elle, le chef du Kayouper. La tête pensante, du moins, je sais pas si c'est un chef, un roi. Je sais pas, je sais juste une tête pensante. Je mets en émote le frère pour pas qu'il y ait de spoil. Je vais vous donner la plaque du véhicule, messieurs. Je veux un véhicule placé au niveau de la marina pour qu'il s'y revienne par la marina. Merci. Il me dit venez, j'ai Clétus. On sort aux deux en tirant à côté. C'est quoi tout ça là? C'est pas nous. Je vous jure, c'est pas nous! C'est quoi, c'est pas nous? C'est quoi ça? Capitaine! Qu'est-ce que vous foutez, Yongfu là? Hein, c'est Yongfu! Regardez, j'enlève le masque! C'est quoi ça, c'est Yongfu? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous arrive là, Yongfu là? Voilà, capitaine! Je suis là pour faire votre travail! Comment ça? Attendez, vous rigolez, Yongfu? Allez, je vous expliquer, capitaine. En gros, là, ce qui se passe, capitaine, c'est que je veux venger les collègues qui sont morts. Ouais. Donc, malheureusement, je voulais le faire légalement. Mm-hmm. Mais à ce qui paraît, on peut pas. On peut toujours. Non, on peut pas faire légalement. Si, on peut toujours, Yongfu. On peut pas venger nos collègues. Si? Non, parce qu'il était sur Cayo Perico. Et alors? Là-bas, il a. Sur Cayo Perico, il a tout droit. C'est chez lui. Bah c'est normal, quand vous êtes chez vous, faites ce que vous voulez, Yongfu. Donc maintenant il est chez nous. Mm-hmm. Capitaine. Je vais pas le tuer maintenant ici, capitaine. C'est simplement pour vous montrer que je l'ai bien. D'accord? Vous avez pété les plombs là, Yongfu là. Ah oui, j'ai totalement pété les plombs, capitaine. Faites pas les fous! Mais non, faites pas les fous. Vous... Faites pas les fous, capitaine. Yongfu, vous savez très bien que c'est la procédure. Les gens viennent autour, d'accord? Clétus. Mais ça te rappelle un truc ou pas? 5. Yongfu, baissez ça. Baissez ça. 3. 2. Un. Il faut baisser cette arme. 11. Baisse ton arme. C'est quoi ça? Une porte et mets-toi derrière. Ça, c'est ta vie qui est gâchée, Yongfu. Clétus, tu vas me dire tous les prénoms et noms de famille des individus que t'as tués. Je pense que tu n'as pas envie de les savoir. Dis-les et crie-les fort. J'en ai quasiment aucune idée. Clétus, dis-les vite. Quoi? 11, son nom et prénom. Je ne le connais pas. Tu ne connais pas. Tu connais aucun prénom des individus que t'as tué. Baisse ton arme, Yongfu. Yongfu, baisse ton arme. Capitaine. Baisse ton arme. Il a tué des et gens. Et alors qui... il connaît même pas leur nom, capitaine. Oui, oui, je le sais, oui. Merde. Et alors? C'est quoi le nom de la personne qui a été tuée? Vous savez que je sais tout sur vous. Moi, je vais vous tuer, je vais vous tuer et je sais tout sur vous. Yongfu. Ah oui, vous savez quoi? Yongfu, regarde-moi. Yongfu, regarde-moi. Ok, certes, tu vas nourrir ta vengeance, d'accord? Tu vas avoir le cœur apaisé, c'est certes. Oui. Mais derrière, je peux te dire que tu vas te voir toute ta vie.
M'en vouloir toute ma vie? Oui. Mais capitaine, j'en ai plus rien à foutre. T'en as plus rien à foutre? Mais capitaine, t'en as plus rien à foutre? Tu vois tout... Mais capitaine... Regarde derrière moi. Regarde toutes les personnes qu'il y a derrière moi. Tu les vois toutes ces personnes ou pas? Oui. T'en as rien à foutre d'eux aussi? Avec qui justement, t'as travaillé? Avec qui t'as dormi? Avec qui t'as mangé? C'est eux que je vais venger parce que eux ils ne non, peuvent pas non, le faire. Non, mais non, j'ai pris mes non, couilles à non, les personnes qui sont derrière moi, les personnes qui sont derrière moi savent très bien qu'on peut on peut toujours trouver un moyen de faire ça légalement. Mais quel moyen, capitaine? En faisant ça, tu signes ton arrêt. Je te le dis. Hein. Pourquoi tu parles plus de toi? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Tu veux que je te dise la réalité des choses? Prenez cocktail, je peux pas prendre, je suis trop. Bonsoir monsieur, bonsoir négociateur. Le capitaine est pris émotionnellement et moi pour continuer les négociations. Vous savez quoi monsieur? Papa a des gens qui sont masqués. Ok monsieur, je me démarque, je fais une preuve de. Vous allez bien capitaine? Ah mais attends, mais quoi? C'est Paul de Carotte. Il t'arrive quoi? Je suis là pour venger. Pour venger mes collègues. Et qui tes collègues? Ils se passent quoi là? Dis-nous toi. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer toute l'histoire de A à Z. Le gouvernement, à l'époque, voulait aller sur Cayo Perico pour récupérer une bombe. Du coup, nous sommes allés sur Cayo Perico. Et eux, lui, en personne, a tué devant nous. Calme-toi, collègue, calme-toi. Doucement, doucement. Je me casse le corps un quart de nos collègues. Il connaît même lui, pas leur nom, vous rendez compte? Mais lui, il travaille au doc, c'est une merde. Tout le monde, mais pas lui, quoi. Eh ben oui, je sais, mais il travaille au doc, j'ai rencontré moi. Il me fout, c'est comme mon fils, je peux pas. Ils sont armés jusqu'au coup. Je peux même pas négocier, vous vous rendez compte? C'est juste là qu'est venu. Avec 30, j'arrivais. Avec tout le monde, je... Non, je veux pas, Yonkou. C'est vraiment par respect pour vous que je l'ai pas abattu depuis longtemps. Je sais. J'ai pris mes couilles à deux mains et je peux pas, c'est pour ça que je laisse les collègues. Ça, c'est l'Amérique que j'aime. Ça, c'est l'Amérique que j'aime. Capitaine, venez. Attendez. Qui était avec lui avec une AK, monsieur? Ça, j'aimerais bien élucider aussi. Elle est juste à côté du capitaine. Vous vous rendez compte à quel point la police est corrompue? Elle, j'en ai marre. Elle avait une AK. Elle est là. Vous êtes venu sur Cayo Perico, je crois que vous avez tué des gens. Je veux te coller une balle. Tu vous l'avais tué. Mettez-lui les menottes. Capitaine, je vais tirer. Oui. Je peux me permettre de vous réquisitionner, s'il vous plaît? On est en Amérique ici. Ah oui. On avait une AK sur le territoire américain. Vous avez pensé comme quoi? Vous avez entendu ce qu'a dit votre agent? Il a dit quoi? Apparemment, la femme à côté de vous avait une AK-47 qui date ça pas longtemps. Juste là. Sur le Santos? Ici, sur le sol américain ou un caillou? J'attends de savoir. Oui, mais est-ce qu'elle avait un caillou? Attends, c'est la réponse et je te tue. Je pose une question à l'agent. Bon, ça va être simple. Pour un agent, c'est notre collègue et on va le raisonner. Et... Comment ça va? Vous vous rendez compte, après que je l'ai élevé, ce Yung Fu là? Ouais, je sais. Je peux négocier avec tout le monde, là je peux pas. Alors, bonjour monsieur Zelsir qui vient. Bonjour, mais. Je comprends. Si demain tu meurs, ça ne fera pas trop. Bien si c'est le. C'est pour ça que je vais laisser le capitaine. On discute, on va régler ce problème. Monsieur Pitaler, je vous écoute, monsieur. Monsieur lieutenant. Monsieur Pitaler, ok. Et monsieur. Il joue sur les lois législatives de machin de Cayo Perico. C'est ça, hein? Mais ce qu'il a fait de plus, c'est qu'il a fait de l'harcèlement mental et de la torture mentale. Il nous a ramenés, nous, sur Cayo Perico, nous les flics, pour tuer un de nos collègues. Ils l'ont tué en face de nous, on pouvait rien faire parce qu'on était sur leur territoire. Vous vous rendez compte de la torture? Regarde-toi là. Oui, regarde, t'es en train de faire comme eux. Tu es en train de devenir comme non, eux. Et non, justement, j'ai pas fini de parler. Ce que je vais faire actuellement, c'est que je suis pas un fils de pute. Je vais le prendre, je vais dans un endroit discret, je vais lui coller une balle dans la tête. Je le mettrai dans un sac poubelle, je vais le découper, je vais le torturer comme... Et du coup... Yonkou, on va pas discuter, doucement. Tu m'entends ou pas, Yonkou? Baissez vos armes derrière. Eh, c'est un collègue, les gars, baissez vos armes, c'est un collègue, bordel. Baissez. Hein? Yonkou, lui. Tu m'entends pas, Yonkou? Il tire avant. Et pourtant, on n'est pas derrière les barreaux, c'est qu'il y a une raison, non? T'inquiète. C'est pour on va écouter les autres. Yonkou, tu m'entends ou pas? Je t'entends. Oui, parfait. Du coup, le lieutenant t'a dit un truc très vrai. Si tu le mets dans une pièce discrète et que tu le fumes, tu vas faire comme eux. Non, du tout. Et t'es pas comme eux, toi. Non, 26, c'est pas ça. Je sais pas si t'étais là, mais 26, on est environ 5-6 policiers. Ils ont tué 11 devant nous. Affirmatif, chaud pour moi. C'est comme si là, il a été condamné à mort. En gros, je le tue ici. Non, baisse ton arme, non, Yonkou, non. Pas le bon choix. Je l'ai pas encore chargé. Là, elle est chargée. Non c'est comme si là je le tuais devant vous
Et là, vous faites rien du tout. Rien faire. Vous imaginez? Je fais des cauchemars d'elle. Tous les jours, elle est dans ma tête actuellement, là. Elle me dit de tirer. Non, non, elle serait pas fière de toi. Calme-toi, calme-toi, Yonfou. Bon, ça commence à devenir là, je vais devenir fou. Non, calme-toi, regarde. Redescends, respire. Dis-toi les bonnes choses, c'est que elle serait pas fière si tu fais. Faut pas que tu termines comme ça. Il y a pas mal de monde qui rôde autour là, notamment une voiture juste derrière, les escaliers là, vous me les faites dégager, merci. Vous êtes qui vous? Ça se voit, non? Bah je vous retourne au compliment, je vous laisse 30 secondes pour dégager, sinon je dis à maintenant de vous arrêter. Non. Rien du tout. Bah, c'est un collègue, capitaine. Non, il fait pas partie du SPD lui. Hein. Je suis pas parti du SPD. Non, vous êtes pas parti des forces de l'ordre, non. Donc circulez, d'accord? Je suis un membre de l'IA, bon, ouais, c'est bon. Non, y'a pas de membre de l'IA. C'est le capitaine, monsieur, c'est le capitaine, c'est comme ça. Mais allez, circulez, monsieur. Le lieutenant le connaît, hein. Oui, mais il veut pas forcément départ. Le capitaine veut pas. Lieutenant, ce que t'as fait sur la 4A. Ouais, si le capitaine ne veut pas, ouais. Quoi? T'as 3 secondes. Pour dire ce que j'ai fait sur la 4A. Qu'est-ce que t'as fait sur la 4A? T'as 3 secondes. La dernière fois que j'ai été sur la 4A, je suis allé déposer des choses, des docks, de la nourriture et des choses qui n'ont été nécessaires pour les vivre. Ensuite, de la prison. Ensuite, j'ai rendu rendez-vous à des hommes. Absolument tout. Ouais. Dis-leur la suite. Quelle suite? La suite. Quelle suite? La suite. Quelle? Laquelle? Avec Adriana, 5. Adriana? 4. Elle est au fond d'une prison dans Alcatraz, il me semble. Je ne sais pas exactement où. Il lui arrive quoi? 3. Il lui arrive quoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je peux rien te dire de plus. Ce sont les valeurs que je t'ai enseignées, Yongfu. Capitaine. Capitaine, je suis là pour venger mes collègues, capitaine. Tu vas me décevoir toi aussi? Capitaine, parlez pas de décession s'il vous plaît. Faut pas faire des mauvaises. Monsieur Yongfu, vous êtes la fièvre. T'as fait quoi? Ok. T'as fait quoi, Adriana? Okay. T'as fait quoi? Elle a essayé de tuer Taisy. Elle a essayé de tuer? Et tu l'as fait quoi? Elle a essayé de le tuer parce qu'elle a pété un câble. Et tu l'as fait quoi? Parce que la fois où elle est venue sur le territoire de Caillou Perico et qu'elle a tué, qu'elle a participé à la personne qui a été tuée de Caillou à l'enterrement, elle a été attrapée. Vous l'écoutez? Vous l'entendez? Écoute, oui, il commence oui, à bégayer, c'est un menteur. Bien. Non, pas oui, du on tout. Fou. Lorsque les deux agents de la Guardia se sont fait passer pour morts et ont tué quelqu'un, ont sali leur plaque et ont tué quelqu'un, elles ont décidé de les aider. Du coup, elles se sont fait attraper par des gens et elle était sur Caillou Perico. C'est quelle radio l'opération là? On est tous Radio 1. Littéralement, elle a fait sa vie en. Littéralement. Mais Bitaler, vraiment. Pas partie des forces, hein. On m'a parlé d'un coup de couteau, moi, c'est lui. Ouais, écoutez, moi, je suis juste Jaco là. C'est le juge suprême qui m'a dit. Capitaine, oui. Si jamais il faut qu'on réagisse, vous mettez pas dans la trajectoire, s'il vous plaît. Non, je bougerai pas. Okay. Écoute, Yongfu, on est du bon côté de la loi. Et on aime la faire appliquer. Là, tout ce que tu vas lui donner, c'est une mort rapide. Et il va même pas souffrir. Alors que si on le met en prison pour tous les faits qu'il a fait. Non, je vais réitérer ce que j'ai dit, monsieur lieutenant. Il s'appelle Bitaler, frère. Il s'appelle Bitaler, frère. Non, mais c'est grave, hein. Les mettre dans une poubelle, lui arracher les yeux, lui faire manger par le cul, lui arracher son nez. Ah bah. Torturer voilà. À la mort. Ah yes. Vous faites là monsieur, circulez de la zone s'il vous plaît. Bah je suis avec un agent, après, il m'a dit de venir. Qui? Là-bas, l'agent là-bas. Non, c'est pas la forêt, ceci. Cap, allez voir Vous inquiétez pas, elle n'interfère pas dans votre votre truc. Ouais, reculez juste un peu alors. Radio 1 toujours. Ok. Oui, le problème, c'est que si on lui laisse si on prend le risque de le laisser partir, on sait pas ce qu'il va faire derrière. Fais dire un truc dans la radio. Tant que Cletus ici, le protocole c'est tant que Cletus elle bouge pas, l'otage il bouge pas, lui on le chasse derrière. Par contre, s'il monte dans le véhicule, Cletus on fait les pneus. Exactement. Protocole. Ah oui, bien sûr. Pour moi, dès que Cletus met ses fesses sur le siège, faut abattre. Faire les pneus d'abord. Faire les pneus, après on laisse une sommation. Bonsoir. S'il veut pas, on abat. Vous allez pas accepter ça. Négociateur Cortez. Si à la radio je lui dis qu'on lui laisse une seconde chance, vous l'exécutez. Aussi. Madame, laissez faire la police s'il vous plaît. Si je dis. Et on ne peut pas vous faire. T'inquiète, on va te laisser une seconde chance. Ça veut dire ouvrir le feu. Bonsoir. Du coup. Si on s'en fait pas, c'est pas comme si on te laissera pas bouger d'ici avec les personnes de chez nous ont été abattues. Et tu sais pourquoi? Moi je suis honnête avec toi, moi je ne compte pas te neutraliser, je compte pas tirer. Par contre, tu comprends bien le protocole. Tant que Cletus monte dans ton véhicule, tes pneus seront faits à la seconde.
faites pas les pneus. 26, écoute-moi bien. Je t'écoute. Vous allez me faire un chemin, vous allez pas faire des pneus. Il va monter avec moi. Vous me prenez en poursuite si vous voulez. Et puis c'est tout. Sinon, je le tue maintenant. Moi, c'est simple. Moi, là, tu comprends bien que le protocole. Si je me fie au protocole, je vais faire tes pneus. Mais le capitaine derrière moi, c'est lui qui va donner, qui va trancher. S'il juge que. 26, on n'a jamais fait les pneus à personne, 26. Je suis un flic, 26. Arrête de me parler de protocole, 26. Alors, je sais très bien que justement, personne, on a fait les pneus à personne. À partir du moment où personne, les otages ne montaient pas. T'as, on est d'accord, 39. Vous pouvez me suivre. Après, comme j'ai été dit, ça c'est le protocole. Mais le capitaine va trancher. C'est lui qui va décider. Capitaine, venez voir s'il vous plaît. Écoute, Yongfu, c'est très. Ouais. T'es gentil ce que tu dis. Vous accédez à ces requêtes ou pas ? Tu es un flic. C'est vous tu qui sais ce que nos c'est procédures, quoi, on ne laisse pas repartir. Il veut sortir l'otage. Le protocole. Et en fait, il veut prendre que tu sois avec lui, on le suit. Oui, c'est vous mais qui décidez quoi. Sauf le tuer devant tout le monde. Yongfu. Yongfu, tu m'entends ? Attendez, je réfléchis. Yongfu, écoute-moi. C'est réfléchi, capitaine. C'est pas le con, c'est vrai qu'il va faire deux choses en même temps, ça j'ai oublié. Ah, c'est Riz. Et vous ? Vous ne pouvez pas le con, pense au bon vieux temps, Yongfu. Sans intérêt. Ah, c'est Riz ? Je vais nous venger, Riz ! Tu laisses, fils de pute ! Bah non, Capitaine, écoutez-moi, capitaine. Capitaine, j'ai envie de venger mes collègues. Il a tué 11 devant nous. Moi, je le tuerai pas devant vous. Je suis pas un bâtard à ce point-là. Je vais l'emmener dans une ruelle. Non. Et on verra ce qui se passera, capitaine. Non, tu le laisses ici. Capitaine. Laisse faire les choses. Capitaine, faut que je vous parle. Ouais. Oh mon dieu. On peut pas descendre un agent. Non, je sais, c'est pour ça que la seule option, c'est qu'il laisse Clétus ici, qu'il parte en voiture, tu vois. Moi, je pense qu'on peut laisser partir. Mmh. Il va pas le tuer. Il aurait eu envie de le tuer, il aurait tué maintenant. Donc l'histoire de je vais le tuer dans un coin, j'y crois pas. Donc je pense vraiment que. Faut bien le suivre alors. Qu'il a prévu quelque chose peut-être. Ouais. Mais il veut pas le tuer. Sinon là, il lui met un coup de pompe et il meurt. C'est comme sa volonté. Je sais. Du coup, si on ajoute à ça, du coup, on passe à 4 véhicules derrière lui. Faut préparer les agents qui aillent. Allez, on prépare ça. Non, mais attendez. Il faut des agents. Qu'est-ce qu'elle fait, Malika, là ? Et justement, faut les contrôler parce qu'ils vont criser. Par contre, ouais, vous sortez de là. Différent pour capitaine. Voiture, elle est réussie ou elle est réparée, capitaine ? Sortez de la zone. Elle est dans une tenue pour l'instant. On est sympa de vous garder dans la zone. On essaie d'avoir TBS, quelqu'un qui est près de lui, s'il vous plaît. Du coup, allez-y, lieutenant. Allez-y, capitaine, je vais suivre moi là, qu'est-ce que. Il n'est pas disponible au TPH. Vous acceptez ? Oui. Avoir quelqu'un qui est près de lui au TPH, s'il vous plaît. Pardon ? Capitaine, faites-moi confiance, c'est la dernière parole que je vous demande. Vous me laissez partir avec lui ? Vous me poursuivez si vous voulez ? Et qu'on en finisse. Et je vous le déposerai plus tard. SWAT. Il en est ainsi. J'appelle le SWAT. Non ! Du coup, de rester à centrale. Je rigole. Du coup, Yongfu va partir avec l'otage. Nous allons suivre à 4 véhicules. Donc, je compte sur vous pour que ce soit propre. Du coup, je veux 2 véhicules LSPT et 2 véhicules Marshall. C'est une opération conjointe. Quatre sergents. Arrêtez. Convenu, j'ai le lit si besoin. Non, je tiens à te préciser. Je tiens à te préciser que des agents vont te poursuivre quand même, Yongfu. Pas faire ça, c'est un collègue. Cap. Oui. Du coup, 2 véhicules LSPT, 2 véhicules Marshall, sur votre compte. Tais-toi, ferme ta gueule, Clétus. C'est 26 à 01, tu peux répéter ? Très belle de quoi ? Ferme TPH, s'il vous plaît. 6489. On va te laisser partir. On va reculer les véhicules. Il y aura des véhicules sur toi. On pourra pas te lâcher. Tu sais très bien les protocoles de la police. Ne lâchez pas. Ok, ça marche. Et tu veux faire quoi ? On est vite poursuite avec 10. Je vais partir à un endroit, dans une ruelle. Je vais vous expliquer exactement dans les détails ce que je vais faire. Je vais le mettre accroupi. Et je vais le. Captain, venez vite. Et je vais lui couper les genoux. Ensuite, je vais. Il faut que vous appelez le 4252. Sûrement quelqu'un qui est pour la négociation de 55. Il veut que parler à vous. T'inquiète, Captain, je gère. Et lui arracher les dents. Ok, ça marche. 42-52 Du coup, de 26 à All Unit, est-ce que je peux avoir un ASD qui décolle ? 7-6-62, il n'y a pas des agents capables de faire des ASD.
4 ans, je crois. Décoller là, oui, allô le... Capitaine du Lespidio au téléphone. Et bonsoir, capitaine. Oui, dites-moi. C'est possible d'avoir un rendez-vous dans le bureau? Mais vous avez... C'est pas vous qui avez mon agent en otage? Ah non, pas du tout. Punaise, merde, c'est qui en otage? C'est pas vous? Non, c'est pas moi. Moi, j'ai juste appelé la centrale et il y a une jolie dame, elle m'a dit qu'elle allait me rappeler. Pourquoi le rendez-vous? Le rendez-vous, c'est par rapport... concernant un agent, il y a un problème là. Ok, là je suis sur une PO, je vous rappelle dans la soirée, d'accord? Ouais, vas-y, pas de soucis. Merci beau gosse. Ouais, je merci, pense que c'est bien, ouais. Ça va être intéressant. Ah, 42-55. Donc je me lead ça à 10. Vous êtes sûr le chat? T'as raison. You 26. C'est quoi le numéro 26? 42-52. Mais non, il m'a dit que non. Hein? Il m'a dit que c'était un mec qui voulait juste avoir rendez-vous avec moi. Pour une rigue entre avec un officier, c'est tout. Ok, parfait. Bah, il voulait parler par là. Mais c'est pas lui qui a 55. Tu ne sais pas si elle est morte. Non, mais de qui te parle? De quoi? Adriana. Mais je sais rien, moi. Oui, du coup, 44. C'est toi qui lui a dit, c'est toi qui lui a parlé, non? Ce que tu as dit juste avant. Non, je l'ai pas parlé. Bah, t'es ici, elle t'a dit. Non, c'est les gardes de prison. Bon, c'est bon, le chemin il est libre. Oui. Et monsieur, merci, merci. Yongfu, oui, fais pas de bêtises, mon grand. Ne fais pas de bêtises. Rappelle-toi dans quoi t'as signé ta plaque. Je vous renvoie le truc. Hein? T'en parlais de plaque? La je famille. Je renvoie l'affirmation, ne fais pas de bêtises. L'esprit d'équipe. Les valeurs qu'on inculque au Lespidi. Oui. T'as pensé ça? Capitaine, j'ai pensé à tout. Pas faut croire que non. Mais décidément, t'as décidé de. Je vais défendre les valeurs du Lespidi. Non, mais t'as fait ton chemin. T'as fait ton chemin, d'accord, c'est bien Yongfu. Capitaine, doucement. Ouais. Non, Yongfu, le capitaine, il est déçu parce que tu étais un très bon élément pour lui. Je te considérais comme mon fils, Yongfu. Voilà, et te considérer comme son fils, et comme un père ne veut pas perdre son fils, il est déçu. Donc, Yongfu, est-ce que c'est la bonne. Écoute, Yongfu. Écoute. Là, t'es en train de faire des trucs que moi-même j'ai fait et que j'ai regretté. Yongfu, t'as pas envie de gâcher ta vie parce que. Certes, t'as envie de le buter, je comprends. Mais derrière, Yongfu, qu'est-ce que tu vas faire quoi derrière? Dis-moi ce que tu vas faire derrière après. Une fois que tu l'as tué. Une fois que tu l'as tué, quoi? Tu vas partir en cavale, tu vas te faire attraper, tu vas finir en prison. Pourquoi t'as pris un accent? Ça me stresse, arrête. Quel accent? J'ai pas pris d'accent, j'ai pris un accent. Prison. Non, j'ai pas dit en prison. J'ai pas dit en prison. Il est où 26? C'est qui part en poursuite là? Alors, du coup, Case en lead, 10 en second lead. Magnifique. Et Elijah en anticipation plus un ASD. Magnifique. Et je suis lead, capitaine. Je te fais confiance, beau gosse. Oui, t'inquiète. Ok. Voilà, c'est bon. T'as des balles, Case. Si jamais, écoutez-moi les trois véhicules là, si jamais il s'arrête, ok, ne lui tirez pas dessus, s'il vous plaît. Il va le relâcher, je suis sûr. J'ai un flashball, si jamais, en tout cas, je vais pas sortir la lettre. Ah, par contre, s'il ouvre le feu, faites ce que vous avez à faire. Mais par contre, les jambes. Oui, neutralisez, mais les jambes, d'accord? Vous faites confiance, vous êtes de la famille. Mais il a pété un peu. Écoute, le problème avec Caillou, c'est à toi la tête de pas mal d'agents. Largement, faites le travail qu'il y a à faire. Non, quoi? Attendez, faut que je m'en prenne à qui? C'est de la faute du capitaine, cet officier, c'est pas de la faute. Cerveau. Non, tu m'auras pas. Vous m'aurez écoute, pas. Yongfu, on va reculer. Tout doucement, tu vas monter dans le véhicule. Okay. Yongfu, j'espère que pendant que tu roules, ça va te permettre de réfléchir. Ta vie n'est pas finie, Yongfu. Mais si tu n'as pas franchi la dernière ligne. Vous faites un truc de pas bien. Je lui colle une balle dans les oreilles. Oh non. On recule, monsieur. Allez-y. Allez, reculez. Reculez. Tu as mon capitaine, vous êtes avec 25, 44, il a perdu son aide en partenaire, je suis dans le véhicule. Faites pas de conneries. Ok. 44 avec moi. Pas de conneries, les gars. C'est bon, je suis relâ. Fais pas le con, Yung Fu. C'est bon, on va monter avec moi quand même. T'es le dernier de la LSPD qui me reste, Yung Fu. Fais pas le con. Allez, l'ASD, tu vas. Pas de la place, nous, si besoin. Vous êtes Radio 2? Non, Radio 1. Pas de la place, nous, si besoin. Hein. C'est bon, t'inquiète. Je me demande des fois ce que j'ai fait pour en arriver là. Et si c'est passé hier en soi? Bah, il a pété les plombs, quoi. Et pourquoi ça? Je sais pas. Les gens de Caillou qui braquent. Négatif contre le braqué, hein. Non, doucement, reculez, doucement. On a toujours un otage. Les
Descends que les speedy, messieurs, on va le défendre jusqu'au bout. Les agents, faites pin building, vous faites pas avoir. C'est quoi cette mascarade? Pas cette mascarade. Calmez-vous, messieurs. Vous avez une inimité, l'immunité diplomatique. Non, attention, je passe devant vous. Si vous commettez un délit sur le sol américain, cette immunité saute. Vous êtes en train de m'envoyer à l'abattoir. Vous m'envoyez à l'abattoir. Président de Caillou Perico entre les mains. Ouais. Écoutez, écoutez Caillou Perico, on va gérer. Laissez-nous faire notre job, d'accord? Le problème, messieurs dames de Caillou Perico, c'est que là, à partir du moment où vous appuyez sur la détente, c'est vous qui serez en tort. On appuie sur la détente. Et moi, je vais me faire tuer d'ici 5 minutes. Non. Faites-nous confiance. Non, faites-nous confiance. Faites-moi confiance. Rentrez dans vos véhicules, on va l'attraper, d'accord? Rangez vos armes et reculez. Mais si on répond de cette manière, on sera réduit au même niveau. Vous savez ce que vous avez à faire, ces motos? Vous ne serez pas tué. C'est pas le moment de coopérer, putain. L'hélico, vous lâchez pas, hein. Allez, calmez-vous, rendez-vous, messieurs. Allez, tout dans les véhicules, allez, on part. Allez, 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 allez. Et qu'on vous revoit pas. 35, 35. Non. Voilà. Non. Ah, c'est eux qui me sont. Communauté Marshall, on reprend le lead de la poursuite. Et la Tango 10, on racole à vous. Je sais ce que vous pouvez ressentir, vraiment. Madame 35, on en anticipation. Pourquoi vous l'avez laissé partir? Par direction est, parking road. Parce que je ne veux pas, qu'il y ait de sang qui coule. Coup de 26 au Marshall April, vous êtes à cette unité, pas besoin de faire. Et si elle veut jouer la carte de je veux la battre, et ben elle se met elle-même en péril, je vous dis. Mais je sais bien, ne vous inquiétez pas, ça. Je peux comprendre, je le conçois, le fait de traîner énervé comme ça, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est que je veux pas qu'il y ait de sang qui coule. Il ne le tuera pas parce qu'il y a 10 000 voitures qui le poursuivent, il y a l'hélico. Et ça, il le fera pas devant nous. Et on le lâchera pas. Il est seul, il ne peut rien faire, il peut pas faire plombier, il peut pas faire changement, il est seul. Et garder le lead à 4 dans la voiture. Donc il y a un moment où il va se faire. Capitaine. Je vous ramènerai que tu dis ambassadeur. Bien sûr. Merci. Allez, je vous fais confiance. On est le lead, on se mettra derrière vous. Ok. 10-4. Ouh. Vous allez bien? Oui, ça va moi. Ok. Je suis un peu tendu. Bah c'est une sacrée situation encore qui se passe devant nous là. Je sens que ça vous touche quand même. Ah oui, c'est pour ça que j'ai pas négocié. La sultane vient de faire un titre 50. Faites un backup qu'on arrive. Captez, vous entourez, vous embarquez en même temps. Agissez ensemble s'il vous plaît. Repart en 10-56. Je récupère, vous inquiétez pas. Code 37, on reprend le relais des Marshall. Dès que vous êtes là, dites-nous, on vous laisse passer. Madame 35, on est toujours en anticipation derrière vous. Je veux même pas faire la poursuite parce que ça me fait mal au cœur de le poursuivre. Ne suivez pas alors. Marshall April, est-ce que vous pouvez nous faire des 10-20 s'il vous plaît? Porte bleue, Wardog. De bleu. Mais pourquoi il a vrillé comme ça? Pas ça avant, la porte bleue à droite. Bah, c'est que les mecs de caillou, ça. On est à votre gauche en parallèle. Ta mère. Oh, oh. C'est pas le moment. Eh oui. Prends à droite au niveau de l'herbe sur la ligne de Kauai. Fais demi-tour. Je te laisse passer en arrière de gauche, Jess. Mais viens, laisse, pas grave. Vous le laissez? Je sais qui c'est, je le baiserai tout à l'heure. Ok. Qu'on n'a pas connu avec 42. De quoi tu parles, Panthère? Faites attention si jamais peut-être un plan mule dans cette zone. Scat. Est-ce qu'en soit Clétus, qui sait? C'est quoi? Un plan mule à les yeux. En soit Clétus, pourquoi il lui a envoyé comme ça? Il a fait quoi?
Je sais pas. Bah c'est l'histoire de Caillou. C'est un avocat ou ce genre de colon. Il a tué des agents sur Caillou et vu que c'est pas notre juridiction, on peut rien faire. J'essaye d'atterrir 76, au pire je viens avec toi. Je suis pas très loin. Dis-un, je t'occupe. Vas-y, je te fais de lâcher 14 juste en dessous de toi. Hein. Le code 1. Continue, 10-20 euros s'il vous plaît. Unicorn. Ok, ils sont actuellement unicorn. Ils passent devant l'unicorn là. Ils sortent niveau punch-up. J'imagine, je mule. Ce serait incroyable. Quelle direction? Ils vont passer derrière le PDP. 113 à tous là, on est combien d'unités à la poursuite de Yungfu s'il vous plaît? 3. Ok, j'en veux une quatrième, 4 unités ça suffit hein. Ah dame 05 on s'y rend. Les autres vous repartez au boulot. Qui est 113? Que les 10-20 euros s'il vous plaît. Il est actuellement au niveau de la station essence, porte bleue. Il rentre porte bleue. Ah c'est là, là. Passe porte bleue. Tu vois Yungfu, tu vois Yungfu. Tu vois Yungfu. Capitaine, reculez. Vous avez 5 secondes, capitaine. Yungfu, lâche-le. Lâche-le et repart. Lâche-le et repart, s'il te plaît, Yungfu. Yungfu, s'il te plaît, lâche-le et repart. 5. S'il te plaît, Yungfu. 4. Capitaine, putain, Yungfu, s'il te plaît. N'oubliez pas, je fais celle où 3. Il vient de repartir, porte bleue. Il a tourné à gauche. Il retourne à droite dans la putain. Dirige station essence porte bleue. Ah, j'étais bon, je pensais même pas qu'il allait passer là. Incroyable. Ok, on est 4 unités. On est 4 unités, c'est parfait. Pas besoin d'unités en renfort sur la poursuite, s'il vous plaît. Si c'est à 7-1, laisse tomber. Il y a des rapaces qui sont rajoutés. Vache. Messieurs, faites attention au potentiel plan mule, il y a énormément de véhicules qui rôdent dans la même zone. Elle rentre sur le boulevard, on rentre dans Mirror Park. Au niveau du Digital Den de Mirror Park. Quoi faire Mirror Park? Quand Lost. Capitaine! Relâche-le. Vous lâchez. Non, je peux pas. Très bien. Je vais faire une bêtise, capitaine. Écoute-moi, si tu le tues, écoute, demain tu me mets la tête, tu me tues moi. Ils vont me tuer, tu le sais. Non, capitaine. Si. Tandis que là, si tu le relâches, ok. Relâche-le, bon, s'il te plaît. Capitaine, tu vas nous boulevard. Donc, fou, relâche-le. Sûrement prendre un hélicoptère, capitaine. Oui, mais relâche-le, s'il te plaît. Ok. Go postal. D'accord, je te fais confiance. Raccroché. Tu me promets que tu le. Raccroché, capitaine. Promets-le moi avant. Accroché, capitaine. Promets-le moi avant. J'arrive après là. Et reprends les petites ruelles en direction du Go Postal. Descend sud, direction Spanish. Ok, négatif, il repart hôtel. Et remonte direction nord. Dans le parking. Et rentrer dans le parking, je vais essayer d'anticiper. Go Postal. J'avais bien mulé, incroyable pour le coup. Ah bah oui. Ok, c'est bon, on est derrière lui si jamais. C'est une très bonne émission. Place des cubes. L'Arcadus là. Actuellement, place des cubes. Il va passer devant. Ouais. Il est parking chantier. Allez. Je dirige direction nord à partir de place des cubes. La Del Perro, direction Mirror. Il revient dans le sud au niveau de Vinewood. Il redescend en direction Place des Cubes. Pour capitaine. 39 pour capitaine. Oui. Faites atterrir la SD s'il vous plaît. Relâche-le avant.
Faites atterrir la SD ou je lui explose la cervelle. Allez, posez-vous la SD. Du jeune avant. Actuellement sorti Los Santos Custom. Mary. Il repasse devant le Los Santos Custom. Pour 76 14 PH s'il vous plaît. 50. Ah bon? Oh là là. 6, 50. Ah merde. Il va direction Studio Ciné. Il retourne direction Banque Centrale. C'est les problèmes, ça. Ça, j'ai bien vous croire. Le problème, c'est que s'il le tue, c'est moi qui est mort. À partir de la Banque Centrale. C'est pas avec toi, dentiste. Ok, il est Apple Store et redescend direction Arcadius. Il est rentré dans le chantier Arcadius. Vous serez mort du coup. Bah j'ai fait une promesse à Caillou là. Quelle promesse? Encore dans le chantier hein. Ah oui, la promesse de oui. Le retour. On l'a perdu au niveau du chantier, essayez de regarder. Il madame Zordo, on l'a pour nous. 10-20 euros. Direction Bénis. 10-4. Direction. Du coup la dame Zordo, je voudrais continuer les 10 ans. Il tourne direction Little Seoul. Ah, il va trop vite pour nous. On va essayer de l'intercepter. Dernière position connue, direction station essence Little Seoul, pardon, pas plus d'un. Français, qu'est-ce que vous avez perdu l'individu? Parce qu'on a une sultane noire là sur l'eau. Position... parking oui, oui, on l'a perdu. Elle va direction okay. Place des Cubes. Place des Cubes. 10-4. La voiture qui est collée à elle, fait des 10-20 s'il vous plaît. 10-4, on se dirige tout droit vers la place des Cubes là. On va vers Mission Row. Okay. On est devant le PDP là actuellement. L'individu se garde devant le PDP. Descendu. Il est en train de braquer Clichus. Où? 10-20. Hop, comme il se PDP tout le monde. Enfin, pas tout le monde, mais ceux qui étaient sur la course poursuite. Ok, il est en train de rentrer dans le PDP avec les tubes. Madame 37, on passe par derrière. Passez par le parking. Montez au deuxième étage. Il y a deux. Madame 37, nous on passe par derrière. Je veux pas plus d'unités là, on est vraiment beaucoup hein. C'est sûr, hein, il est vraiment tout seul. Il suffit, oubliez pas, il y a encore les wagons à chercher les gars. Oui, uniquement. Un on a un autre flic en otage. On fait radio, ouais. Uniquement ceux qui étaient sur la poursuite. Les autres vont partir en patrouille. On prend la fuite dans le PDP. Premier étage, salle de dispatch. On est suffisamment. Il est monté. Deuxième étage. Dirige vers le toit du PDP là. 39, dites à l'agent qui monte là-haut, là, qui veut faire le cowboy de redescendre tout de suite. Quel agent? L'agent là qui veut prendre l'ASD. Je vois bien. Je lâche pas l'ASD, hein, je. Fais ce qu'on dit. Il monte sur le toit avec l'individu là. Il veut essayer de prendre une ASD. Mais on peut pas laisser décoller, capitaine. Braquez-le, hein. Il ne part pas avec l'ASD, hein. Radio, gagner un maximum de temps, on va demander un hélico au BCSO. 10-4. Qu'est-ce qui se passe, 14 là? Les BCSO arrivent avec un ASD, capitaine de Kaou. Ça marche. J'ai entendu radio. Ben voilà, tu vois, il est. L'individu a entendu en radio. Il a entendu ce que tu viens de dire, du coup.
Je vous entends. Jusqu'à ton sait. C'est bien, Valé. Faut calme-toi et rentre-toi. J'ai pas envie de mourir. Yongfu, t'as pas envie de mourir, ben il faut s'arrêter là. Ah, non. Juste manger les collègues. Oui, ben on va le faire, Yongfu, regarde tous ces agents là. Attends, on est là pour toi, garçon, on est là pour toi. Bouge pas, toi, d'accord. J'ai envie de juste vous. Vous vengez vous. Yongfu, regarde-moi. Parce que vous. Regarde-moi, Yongfu, regarde-moi. Laissez-moi finir, vous tous, ce que vous voulez faire, vous, ce que vous avez sur le cœur. Et ben moi, j'ai porté mes couilles. Effectivement, ça me coûte beaucoup de choses. Mais j'ai envie de me venger. Lâche ce pompe, viens avec moi. Non. Lâche ce pompe, viens avec moi. Yongfu, baisse ce pompe, Yongfu. D'accord ? Ne me touchez pas. Tu peux encore te rattraper, d'accord ? Alors certes. Non. Je ne peux pas te laisser partir avec lui, tu le sais. Allez, garçon, fais pas le con, bordel. Rentre-toi, s'il te plaît. De 26 à toutes les unités, baissez vos armes. Là, le capitaine est en train de négocier, baissez toutes vos armes. Baissez. C'est un agent. Il a raison, baissez vos armes. Aussi, Yongfu. Mon arme est pas levée, capitaine. Pose-la à terre. C'est matrice, là. Tu sais que je te porte toujours dans mon cœur. Chaque personne, ici, là, je porte tous dans leur cœur. Regarde, ils ont même baissé leurs armes, alors qu'habituellement, le mec, il serait déjà abattu. Sache-le. Capitaine, pourquoi vous me laissez pas à la SD? Vous savez très bien qu'il est tracé et tout, vous pourrez m'avoir dans tous les cas. Oui. Mais le, vous mourrez dans tous les cas. Ok, mais le Cletus, il reste ici, alors. Non. Mais putain, c'est quoi ce bourbier de fou? Laisse-nous faire notre travail. Je t'autorise à partir avec l'hélico. Mais justement, le travail, on le fera jamais. Si. T'es au courant que là, si tu pars avec lui, demain, c'est ma tête que tu retrouves. T'es au courant que je viens de faire une promesse à Caillou Perico encore, là? Capitaine. Je ne peux pas, Yongfu. Capitaine, donc, sur ma plaque que je vais vous donner maintenant... Ta plaque, tu ne l'as plus. Ah oui. Tu as rompu à partir du moment où tu as braqué cette arme sur ce monsieur. Capitaine. Donc je te laisse partir en ASD, mais lui, tu le relâches. Non, capitaine, tu peux pas. Tu montes dans ce Henri, ils vont t'abattre. Vous allez me tuer, là? Oui. Ouais, c'est obligé, on peut pas te laisser partir. Vous allez m'abattre? Oui. 30, on lui a laissé une chance, 30. Oui, 30, on lui a laissé une chance parce qu'elle s'est rendue. On lui a laissé une chance parce qu'elle s'est rendue. Elle est en train de payer ses dettes. Laissez-moi faire ce que j'ai à faire. Non. Et je me rends. Même Riz, regardez, Riz avancé. Bah laissez-moi une chance et je me rends après. Tu te rappelles Epsilon, Yongfu? Non. Ah non, c'était pas Epsilon, c'était Locke là. Non, pas Cube, Locke. C'est ça. Là, tu es au phare. Les Netas. T'en rappelles ou pas? Non. Mais si, au phare, j'ai tué un mec avec un fusil à pompe. Laisse-moi réfléchir. Réfléchis. Qui vous êtes? Putain, mais je crois que je dormais à ce moment-là. Oui, qui peu importe, qui peu importe, je l'ai buté. Oui, allez, Speedy, ils m'ont laissé une seconde chance. Regarde, je suis encore là. Mais bouge la zone, il y a mais pourquoi moi j'ai pas de chance, moi? Laissez-moi une chance. Saisis-la, ne monte pas dans cet hélicoptère. Relâche-le. Crois-moi qu'il y en a pas un là, derrière moi, qui l'apprécie, fils de pute, hein. On est comme toi, mais on peut pas faire ça. Toi, ferme-la, toi. Écoute-le, Yongfu. Ah, okay. Mais, capitaine. Écoute ta famille. Faut que je les venge, capitaine. C'est pas trop tard, Écoute, je te laisse une dernière chance, d'accord, de partir, mais solo. T'as fait quoi? T'as braqué. Braquage sur un civil, refus d'obtempérer, c'est quoi ça? Quelqu'un va me virer le parking. Non, rien, c'est rien. Un peu de garde-ave. Un peu de garde-ave avec un pompe. Qui vire le parking de gauche, s'il vous plaît. C'est rien, 25, c'est rien, 75, le pompe. C'est rien. Allez me virer avec l'agent qui vient de partir là. Ne fais pas le con. Allez, go. Laissez-moi juste décoller avec lui. Et je vous le rends dans une minute. Je lui parle dans le ciel et je vous le rends. Vous me verrez, au pire vous pourrez tirer d'en bas. Non, on va pas tirer. Ça implique trop de conséquences, tu me fous, on peut pas te laisser faire ça. Mais là je décolle un tout petit peu pour lui parler. Non. Regarde, Riz, il peut reculer comme ça, tu peux lui parler tranquille. Voilà. Parler dans l'air avec l'air du ciel. C'est une bonne chance. Je peux pas. Je sais même non plus, bro. Écoute, tu me fous. Vous avez laissé une chance à Riz à 30. Oui, mais moi je ne suis pas Riz, Yongfu. Moi c'est simple. Ils sont rendus. Bah laissez-moi décoller un tout petit peu. Yongfu, Yongfu. Tu parles. Regarde. Je vais enlever ma cagoule. C'est le lieutenant Cortez, US Marshal. On n'a pas les mêmes protocoles que vous. Si t'allumes le moteur de cette hélico, tu décolles. Mes agents vont t'abattre sans que je donne même l'ordre. Je suis en train de négocier ça justement. Oui, mais on veut pas que tu partes. Donc, dis ce que t'as à lui dire ici, maintenant. Je peux pas. Ça reviendra au même.
Tu lui parles tranquillement, tu fais ce que t'as à faire. J'ai quelque chose à lui donner, faut pas que vous le voyez. Oui. Mais tu lui donnes dans l'hélico. Mais faut que je monte. Oui, mais sans décoller. Faut qu'on décolle. Non, on peut pas te laisser partir. On peut pas te laisser décoller. Si on te laisse décoller, on part du principe qu'on... Par pitié, laissez-moi décoller un tout petit peu ou je lance une guerre. Vous savez très bien que j'ai la carte en main, là. À gauche, clear. Vous le savez, lieutenant. Oui, mais Yongfu, tu n'as pas les cartes en main. Là, tu as les cartes en main pour faire... J'ai les cartes en main. Là, il suffit juste que je lâche un peu la détente et je déclenche la guerre. Au pire, vous me tuerez. Vous me tuerez, mais j'aurai lancé une guerre. Et c'est pas ce que je veux, moi, non plus. Je veux juste que vous m'accordez une un tout petit truc. Pourrais-je comprendre pourquoi il y a que 3 unités qui sont en patrouille, là, actuellement, s'il vous plaît. Écoute, Yongfu. Malheureusement pas. Tu es flic, tu connais nos protocoles. On peut pas te laisser partir avec un otage. Donc je lance une guerre. C'est pas qu'un simple otage, vous savez. Et donc apparemment vous refusez de me répondre. On n'a pas envie de t'abattre. On est en train de t'envoyer des unités. On t'envoie des unités. Non, je veux que vous alliez patrouiller là. Je veux que vous alliez patrouiller. S'il vous plaît, il y a pas. On est en train de les envoyer en patrouille. Capitaine, s'il vous plaît, capitaine. Merci. Écoutez-moi. Riz à centrale, terminé. C'est bon. Terminé mes informations. Je lance une guerre. Je meurs. Non. Ou vous me faites confiance, je monte et j'arrive dans une minute. Et il n'y aura pas de guerre. Si on te ferait confiance, tu nous ferais confiance. À la limite, regarde, je peux reculer, tu lui parles tranquillement. Non, capitaine, je veux décoller. Capitaine, je veux décoller. Tu peux pas te laisser faire ça, Yongfu, je sais. Je veux décoller, capitaine. Je peux pas. Vous avez ma parole, je vous donne ma parole, capitaine. Malheureusement, avant d'avoir une parole, fallait y penser avant, d'accord? Capitaine, j'avais une plaque, Yongfu. Ok. Je vous donne toutes mes armes. Je te donne toutes mes armes, je te fouille et après je te. Ok. Et vous me laissez décoller? Lieutenant, c'est bon pour vous? Je laisserai. Non, l'hélico est une arme. Si je crache avec l'hélico, il tue le VIP. Monsieur le lieutenant, je sais conduire un ASD quand même. Oui, mais plus maintenant. Maintenant, vous êtes plus un flic pour nous donc. Ah là là. Moi, je suis pas le capitaine, j'ai aucune attache avec vous. Mais donc, c'est pas votre poste, capitaine, c'est vous qui avez le dernier mot, capitaine. Oui, mais c'est moi, j'ai la négociation. Donc Yongfu, s'il te plaît, ne commets pas d'erreur. Dis juste que tu as vu dans les vidéos. J'ai entendu ce que vous avez dit. Ça vient même de décoller ou pas, donc décolle pas, ça sert à rien. Mais capitaine. Non, parce que je sais très bien que tu vas te barrer. C'est moi qui vas te barrer, Yongfu. Et je veux pas. Je veux pas que les agents t'abattent, tu fais partie de la famille, partie de l'équipe. Je veux pas que ça se passe comme ça. Je vais le tuer alors. Non. Yongfu, mais c'est ça que vous comprenez pas. J'ai vraiment pas envie, Yongfu. C'est trop facile là. S'il te plaît, Yongfu. C'est trop facile. Bah c'est facile aussi pour vous de me laisser juste la chance. Là, sinon je vais devoir le tuer. On peut pas laisser de chance à des personnes qui sont armées, Yongfu. Tu connais notre travail. C'est ce que je vous ai dit, mais vous comprenez pas. Ça commence à devenir long, ça commence à me saouler. Je dépose l'arme. Laissez-moi juste décoller. Enfreignez la règle. Pense, Adriana. Elle n'est peut-être pas morte. Mais justement, arrêtez, c'est pas le sujet. Elle n'est peut-être pas morte. Donc là, si toi tu décèdes ce soir, t'auras accompli quelque chose qui ne servira à rien. Parce que peut-être qu'ils vont s'en prendre à elle après. Mais là, si je vous écoute, oui, ça va se passer comme ça. Mais alors que là, si vous me laissez juste décoller un tout petit peu, tout se passera bien. Par pitié, je dépose mes armes. Capitaine, vous avez le dernier mot, capitaine. L'hélicoptère est une arme, Yongfu. Mais je décolle à 50 Yongfu, mètres. Comme te l'a dit le lieutenant Cortez, c'est lui qui gère les négociations. Capitaine a le droit de prendre le dernier mot. Capitaine. Il est en place aussi, votre poste de police. Vous laissez le dernier mot. Si vous décidez de laisser partir, je laisse partir sans l'abattre. Ça revient à la même, Yongfu, que vous soyez à 50 mètres ou au sol. Non, capitaine, parce que là, je peux le tuer, capitaine. Capitaine, je vais le tuer. Et alors, qui me dit pas qu'à 50 mètres, tu vas pas faire cracher l'hélico en bas? Parce que j'ai qu'une parole, capitaine. Je suis pas qu'un simple voyou, je suis Yongfu, que vous m'avez tout appris, capitaine, et c'est le seul truc que je vous demande. Vous pensez que je change comme ça du jour au lendemain? Tu fais une dinguerie, comment on va être triste? Mais je ferai pas de dinguerie. Par pitié, je vous demande d'enfreindre la règle une fois. Capitaine, moi je le crois. Yongfu, on va faire une chose. Oui. Je vais déployer un sniper, d'accord? Déployez-le. Tu vas donner toutes tes armes au lieutenant Cortez. Il va te fouiller. Je garde un couteau pour non, moi. Non, toutes tes armes. Mais toutes un tes armes. Quand même. Mais vous allez me braquer. C'est l'hélico. Si tu le craches, c'est bon. Et bah voilà, ok, bah parfait, nickel.
Allez-y, Curtis. Mais non, mettez tout au sol, je veux pas prendre de risque, moi. J'ai une longue vie devant moi. Sniper ou pas, mettez tout au sol. Il se crache. Oui, je sais, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Comme si j'étais un un délinquant. Dans la tourmente, désolé. Mais là, vous faites comme eux. Désolé. Hopkins, ça. Oui. C'est un boy fou, tu sais que si la machette et le statut qu'il a maintenant, si il a un seul truc, c'est le parking à l'époque. Tu fais confiance, Kung Fu. Laissez les capitaines, le lieutenant gérer. Ce qu'il fait, c'est vraiment dangereux. Le BCSO qui tôt, il y a un SD capitaine. Si il se crache, c'est terrible. Non, c'est pas que je le cache, c'est ce qui va arriver derrière après, c'est quelque chose de meurtre. Je sais. La matraque. 10-0-1-14, vous pensez dans les deux véhicules, s'il vous plaît, allez. Enfin, le plan. Ne tirez pas. Ouais, mais capitaine, choisis. Pareil aussi. Capitaine. Vous avez le snipe au cas où. Eh, vous lui avez donné quoi? Rien. Fais pas le con, Yuck Fu! Est-ce que l'hélicoptère BCSO suit? J'ai donné un parachute, à Kitus si jamais. Bien joué. Y'a le BCSO, dessus ou pas? Oui, Afi, il est le chasse là. Les autres partent en voiture, les autres. Marshall, on prend un hélico. C'est reçu, on rejoint. Vous savez les câbles avec moi? Après, on chacun nous, c'est conduire, 26. Je me déploie en mode ASD, je vais cibler la base. Je récupère les armes. Et ouais, je peux. Vous avez besoin d'un pilote ASD, Marshall? Ah, c'est pas vrai. 4 déjà. Putain, capitaine. Vous avez vu, la première dernière, on y est encore, Riz? Je suis en vacances, moi, c'est pas possible. C'est conduire, Nico, si vous allez. Non. Quand non, franchement, je suis un bourbier. On passe actuellement dans El Burro. Non, et moi, je vais partir en vacances, moi. Bref, dans tous les cas. Allez, Cap, on y va. Sur de la SD, s'il vous plaît. Allez, Cap. Je viens de faire encore une décision de merde, là. Oui. 26. ASD, BCSO, je pourrais pas aller plus loin. Ils vont actuellement sur la zone de Cayo Perico. On a pas le choix, capitaine. Cap. On peut suivre, hein, si vous donnez l'accord. De 26 à du coup, aux ASD, vous avez le droit d'aller à Cayo Perico. Ne vous posez pas, vous avez le droit. Ah, c'est reçu, ils partent en direction Cayo Perico. Ben, lâchez pas, chassez. 39, 10-10, end of watch. Attendez, End of Watch, c'est sérieux, hein? Il est toujours sur la radio, fais je le répète. Fais pas le con, Yung Fu, fais pas le con, s'il te plaît, Yung Fu, fais pas le con. 39, c'est plus ancien. C'était la radio. Pense à moi, Yung Fu, qu'est-ce que je vais faire sans toi? C'était la radio, 39.